un Airbus A320. C'est le premier avion flambant neuf que l'Iran reçoit depuis 37 ans, mais surtout depuis la levée partielle des sanctions internationales. L'appareil a été remis au président d'Iran Air hier, à l'occasion d'une cérémonie sur le tarmac de Toulouse-Blagnac, pour la confirmation d'un contrat signé en décembre dernier. L'avionneur iranien a commandé 100 appareils pour la modique somme de 9,5 milliards d'euros, dans le but de renouveler une flotte vieillissante. Depuis la révolution islamique de 1979, Téhéran n'avait pu acheter que des avions d'occasion à l'étranger. La levée des sanctions internationales ouvre de nouvelles perspectives économiques dans le pays. L'Iran aurait besoin d'un total de 500 avions pour garantir le trafic aérien, intérieur et extérieur.